Maman, c'est toi, oh, c'est horrible. J'étais avec toi, j'ai fait un rêve horrible. Il y avait des loups-garous, il y avait des ogres, des plein de trucs. D'accord, attends. Attends, je vais te préparer une bonne tasse de cacao chaud. Merci, mon cœur, merci. Tu peux venir quand tu veux. Oui, mon amour. Oh, c'était horrible. Je te jure, si tu reviens pas. Mon cœur? Tu vas bien? Tu fais un petit peu peur quand même. Non, là il y a un truc qui va pas. Au secours! Ouf, quel drôle de rêve, mon cœur. Bon, on fait quoi aujourd'hui? On dirait que le temps s'éclaircit. Oh tiens, j'ai fait un cauchemar comme de quoi il y avait un énorme trou ici aussi. Je vais quand même m'expliquer pourquoi on dit ça. Oui. C'est la dernière fois qu'on tente de tourner ce deuxième épisode en fait, parce que tout simplement on s'est mis en fatigue parce qu'il y avait trop de golems et c'était impossible. On a eu deux creepers qui nous ont pété au nez, mais là, enfin, à un moment comme ça, et ça avait fait mais juste un trou énorme. On était en train de s'énerver, Indara et moi, tellement, enfin, le jeu devenait littéralement injouable et voilà. Et je vais pas dire que c'était à cause d'un mode, mais on avait mis un mode en plus qui est mode reptile. Et c'était pas facile, facile. Donc bon. J'avais commencé à essayer de récupérer des trucs. Mais moi ici, il y a une chèvre. J'aime beaucoup les chèvres. Je vais essayer d'en avoir une. J'aime bien la chèvre. Tu me suis la chèvre? Tu viens? Veux-tu être mon ami? Non, tu ne veux pas être mon ami? Ben, d'accord. Là, j'ai une vache et un mout-mout. C'est très bien. La vache, tu viens? Venez tous les deux. Venez tous les deux. Mais oui, c'est très bien. Oh, mais oui, vous êtes des amis. Vous êtes des amis. Vous allez venir. Toi, tu vas finir tout nu. Et toi, tu vas finir ben, dans mon estomac. Hein. Oui, hein. C'est bien toujours, moi. L'ami des bêtes. Ouais. Allez, on rentre. Allez. Allez. Allez, les trucs. Ils s'en foutent ou quoi? Allez, venez, 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 venez. Pas rentrer les pauvres. Oh mais non. Bon, je fais ça avec les moyens du bord, hein, les gars. Hop. Vous venez. Ils sont un petit peu teubés quand même. Là maintenant, vous avez la place pour passer, bande d'abrutis. Voilà. Oh, c'est très mignon. J'ai un chat qui saute après un oiseau là près de moi. C'est trop mignon. C'est trop choupinou. Oui, juste mettre déshabiller les moutons. Oh, baby. Quoi? Je
Je ne sais plus te dire ça comme ça, je crois que c'est un bout de viande ou quoi. Là, j'ai une deuxième vache là. Comme le cri des dindons me fait trop marrer ou quoi. Bon, je vais nourrir vache numéro 1 et vache numéro 2. Vous allez copuler et faire un petit veau. Et voilà, petit veau né. Bébé steak est né. Accessoirement. Et par contre, là, je vais voir qu'il y avait des sangliers. Le renard, c'est pas que j'aime pas ces bêtes-là, mais c'est qu'ils sont un petit peu ennuyants. Je vois qu'il y a une autre vache pas loin. Je vais aller récolter du blé. Et oh, j'ai un chat qui se baigne dans l'eau. Est-ce qu'elle est bonne, mon petit Mimi? L'eau, elle est bonne? Mais t'as l'air con, hein, là. Et ben, t'as l'air con. Oui, je me confirme, c'est la banane brute. Bon. Bah, en même temps, chat qui nage. J'ai pas l'impression que toi, tu n'es pas amical. Oh, un œuf de serpent. Ah, super! Je suis empoisonnée! Ah, bah, ça manquait, ça. Oui, je prends de la terre ici pour essayer de rallonger, de faire des petits trucs. D'irrigation dans le champ. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je crois qu'on peut leur en parler. J'ai fait un petit plan pour notre future maison. Donc, pendant un moment, c'est vrai que j'avais pensé à faire une maison sur pilotis, au-dessus du champ et tout. Mais après réflexion, une dernière, c'est vrai qu'on peut la faire un peu n'importe où en fait. Tant qu'elle touche pas le sol, j'ai envie de dire. Oh, mais c'est pas vrai! Mais ce n'est qu'une averse, j'en suis sûre. J'ai rien fait du tout. C'est vrai, bon, j'avoue. Mais j'ai pas envie que ça finisse comme tout à l'heure. Voilà. D'accord. Bon. Le feu ne tombe pas. Bon, bon, bon. Ah. Et puis graine. Est-ce que tu peux ramasser du bois? Parce que j'aurai... Ah, que c'est fantastique! Ah, ok, excuse-moi. On met encore une vache. Oh, il y a même un mouton qui vient avec, quoi. Je n'ai rien demandé, il vient avec. Mais quoi, Gérard? Tu viens? Oh, ça va être trop cool, hein. Oh, tu viens? Allez! Allez, allez, allez! Allez, on rentre dans le truc. Oui, on rentre. Voilà. Une petite coupure, je crois. Coupure. La nuit est en train de tomber. Et j'ai réussi à récolter du bois pour faire un deuxième lit. Et j'ai replanté de quoi. Bon, je vais faire quand même la porte accessoirement. Tu meurs?
d'être mort. Et voilà, nous avons deux lits maintenant. Je veux bien un peu de fourrure, moi, tiens. Oh, c'est pas vrai. Je fais des petites marques dans notre maison. Ah, c'est toi. T'as vu tout ce que j'ai ramené? Bon. Dodo? Moi aussi j'ai mis un poulet. C'est lui ou pas? Ah merci. C'est juste pour me faire une petite truc comme ça parce que. Moi aussi je veux des bottes, je veux des moumoutes, des moumoutes bottes. Le temps s'éclaircit, je te garantis. Ah non, non, ça c'est l'ascenseur, je l'ai fait. Bon. Il y a déjà des sticks, je sais pas si tu as. Je pense qu'il y a des sticks. Ou il y a déjà 20 sticks. Je vais continuer. Tu as soigné tes chiens peut-être? Ils ont tous la queue bien en l'air, sans allusion. Bon, comme les dindes, bop, pop, bop. Les dindes qui bob, bah oui, bob. Ils vont mourir, désolé petit dindes, mais tu es mort. Le dindes est mort, mais ne m'a rien donné du tout. Non, les petits ne rapportent pas forcément. Non, moi, c'est les dindes. Le chat aussi, il choque. Ah ouais, c'est toujours utile. Ça me permet juste de ramasser en passant de la nuit. Là, c'est juste d'aller buter des dindes pour avoir un peu de fourrure, en fait. Mais ils sont gentils les chats. Voilà, je suis dans une plaine là, mais il y a des orgies d'animaux. Orgies d'animaux en tout genre. T'as mis minuteur pour l'épisode. Oui, excuse-moi. Excuse-moi. Oh, je suis horrible, j'ai tué une maman devant son petit. Ah, moi je suis le petit avant d'abord. Mais il va faire comme Dexter, hein. Ouais. Désolé petit, mais tu vas devenir un dindin serial killer comme Dexter. Oh, bah en plus il m'a donné de la fourrure. Que je suis mauvaise quand même. De toute façon, il y en a plein qui vont revenir. Hein. Oui. Attends, moi je tue quelques dindes pour essayer de m'équiper. C'est quoi ça? Oh, un ours! On va. Ça est en train de bouffer une vache. Prendre le cuir et on se bat. Désolée. Un moment épique dans notre vie.
Ah, c'est bien, je commence à avoir quelques fourrures dedans. D'un me fait juste marrer. Oh, papillon. Bon. Oula, j'ai presque plus d'épée. Oh, petite Blanchette, tu veux devenir mon amie? Ben non, elle veut pas. Oh, quel... Oh, un panda! Quelle faune! C'est affolant. Ah bah voilà, j'ai mon épée qui est dead. Ah non, elle est pas dead. Bon, mais elle va mourir. Oh, j'ai un ours qui regarde de façon très insistante mes vaches. D'accord. J'espère aussi. Bon, je vais me faire des trucs. Je vais me faire en vitesse des équipements. Ouais, tracasse. Ouais, je vais faire n'importe quoi. Je suis trop débile, je sais plus comment on fait. Si, je le sais, mais j'en ai pas assez, j'ai pas encore assez de fourrure. Je pense même plus à faire de manipulation pour rentrer dans la cahute. Mais on a plus de pierre. Ouais, faudrait que je l'amène. Bah non. Mais l'ours là, il m'énerve là. J'aimerais bien qu'on l'ait. Il y a un tigre qui va me descendre un truc. Il y a deux tigres près de nous, pas loin de notre maison. Bon bah je t'attends. Bah tu sais quoi, non, je vais pas t'attendre, je vais aller voir si j'ai des...
des trucs qui sont bons. C'est pas une mauvaise idée. Moi je sais, je l'ai vu. J'espère qu'il m'a pas vu. Quel combat épique! Merci d'avoir protégé mes animaux. Y a un tigre, t'as envie par exemple. Mais écoute, tu veux, il est malade. Ah, et la fourrure? Ouais. Je vais de le tuer, mais j'ai perdu ma truc. Je vais de perdre ma. Oh, une vache en plus. Tu viens? Tu veux une vache en... veux me prendre une vache en plus? On me prend une vache en plus, elle est juste à côté. C'est un peu dommage, je ne peux pas en profiter. Je sais, je mets juste la vache dans le petit sas de truc. Voilà, je comptais de vous dire que t'es dans mon inventaire que je sais pas quoi foutre. N'oublie pas de soigner tes chiens de temps en temps. Mais tu sauras me filer, je crois qu'il manque pour un petit peu, je crois qu'une ou deux pièces de fourrure. T'es à l'intérieur? Ah oui, t'es à l'intérieur. Je vais peut-être un peu soigner tes chiens, c'est peut-être con leur donner du steak, mais bon. Mais ils te rendent quand même des services, donc c'est normal que tu les soignes avec ce qu'on a. Voilà. Ils sont bien maintenant. Ils sont bien soignés, tes chiens. Tu fais quoi là? Ah, d'accord, et c'est quoi comme. T'as fermé au moins au-dessus? On est un peu à l'étroit, il faudra quand même agrandir un moment. Oui, bien sûr. On met le chien sur le lit, ça ne va pas, hein, toi. Qu'est-ce que tu fais là, Médor, numéro je ne sais pas combien. Faut juste le laisser là. Faut juste laisser le faire. Juste ça. Juste, il rebondit. S'il rebondit, c'est que c'est bon signe. Et je pense que de là, je vois qu'il rebondit. Je vais faire asseoir. Ah oui, tu sais faire asseoir tes chiens peut-être, les mettre dehors et les faire asseoir. Oui, d'accord. Ah d'accord. Bon, on va le surveiller à deux. Hein. C'est pas une bonne idée. Nous avons un serpent de compagnie qui vient de mourir, je crois. Ah, il y a pas.
Je pense bien, oui. oui, juste une torche, ça suffit. Hein. Mais ce serait bien que tu vires ton chien de là. Sors tes chiens, peut-être. Attends, moi je vais mettre dans un coin pour que vous sortez facilement. Ici, le chien. Bah, sors dehors, ils vont se téléporter vers toi. Voilà, ils sont dehors. Mais tu sais que juste une torche c'est suffisant pour ce que tu veux faire. Si, mais t'as rien mis au-dessus par contre, hein, juste je t'affirme, t'as pas mis de plafond. Mais on a d'autres, on a Green Snake, Orange Snake. Oh, une autruche! Oui, mais il n'y a pas la place, elle va directement brûler. Bah tu veux un tu qu'est-ce que tu veux faire? Oh bah hé, mais il restait de la fourrure, là, tu me l'as pas dit. Bah si, je t'ai dit que j'en mettais Ah, là-dedans. excuse-moi, j'avais pas Bon, allez, au entendu. lit. Face à la au lit. Il me faut mon petit bonnet, info. Voilà, d'ailleurs, sur cette nuit, ce sera la fin de cet épisode. Oui, d'accord, bah. Allez. Bonne nuit les petits, hein. Bonne nuit. Bonne nuit.